Et salut à tous, c'est Hostoskill, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier épisode de ma série Three Team One Player. Donc on va débuter cette série avec comme joueur Boufal, donc dans une Ligue 1. Pour débuter, donc on va faire 3 matchs. Donc là c'est parti pour le premier match. Donc on va se prendre un but dès le début. Là on va avoir une occasion avec Valbona, la roulette, les petits râteaux, il va revenir un peu. Et je vais finir du droit avec une petite... un petit plat du pied. Ensuite on va avoir une action avec Quintero qui va la mettre pour Boufal. Boufal, la feinte, il va essayer de dribbler un peu dans la surface. Même si j'ai pas fait tellement de gestes techniques. Et on va provoquer un penalty. Donc on va provoquer un penalty à la 16e minute avec Boufal. Et du coup on va le tirer avec Boufal. Et vous allez voir, malheureusement, on va rater ce penalty. Donc on l'a vraiment... on l'a mal tiré, hein. on l'a tiré sur le gardien. Mais bon, c'est un peu de la chance, les pénalties. Ensuite, on va avoir une action avec Boufal avec la fin de corps. Là, je vais passer vraiment quelques joueurs. Et là, je vais faire le petit double contact de trop, vraiment, qui gâche un peu toute l'action, alors que c'était plutôt pas mal. Ensuite, une action avec Ben Arfa avec la roulette. Il va rentrer dans l'axe. Je vais essayer d'enrouler ma frappe, mais malheureusement, au black, il arrête très facilement. On va se prendre un but ensuite. Très débile. Ensuite on va avoir une action avec Ntep. On va essayer juste de marquer vraiment un but. Vraiment pas du tout joli, mais bon, il fallait marquer, on était en saison. Donc autant marquer. Ensuite une action avec Ben Arfa pour Valbona. Encore une fois Valbona, les petits râteaux, le petit plat du pied qui marque ce but. Donc 3-2 à la 53e minute. Et là, l'adversaire qui va décider de quitter à la 53e minute, il me semble. Donc vraiment, une réaction assez bizarre. En tout cas, là, on va tomber contre une Bundesliga, donc moitié Bundesliga, et le côté gauche qui n'est pas encore fini. Mais on est en tout cas une assez bonne équipe pour débuter. Hein. C'est une assez bonne Bundesliga. Donc là ça va être un match avec beaucoup d'action. Donc on va commencer à la 2e minute avec Quintero qui va me la mettre pour Boutbouz. Boutbouz, le Ronaldo Shop enchaîné au stop and turn. Là je vais la mettre pour Quintero. Quintero, je vais essayer de la centrer pour Boufal. Malheureusement Boufal qui est un peu cafouillé. Là on va avoir une action avec Ben Arfa. Il va passer, il va rentrer un peu dans l'axe. Le Neymar Hocus Pocus, la petite face en retrait pour reparer qui va me pas passer. Mais là, Boutbouz qui va faire un petit festival, vraiment. Boutbouz qui est très très bon. Voilà, un petit but qui fait plaisir. C'est pas un but exceptionnel, mais il est vraiment quand même très beau. Donc à la 11e minute, un but plutôt pas mal, voilà. Avec Boutbouz. Ensuite, on va avoir une occasion à la 30e minute avec Ben Arfa pour Boufal. Boufal sur le côté droit qui va faire des petits râteaux. Je vais essayer de faire le petit sombrero à l'adversaire et ça va passer. Et voilà, encore une fois Boufal qui je sais pas vraiment ce que j'ai voulu faire, mais en tout cas c'est pas passé. Il a une action avec Ntep aussi qui est bon. Il est assez bon Ntep. Mexer qui va la mettre en retrait pour Valbona. La Valbona qui fait une frappe vraiment complètement déviée. Elle va passer carrément à côté. En plus elle est contrée par l'adversaire. La Boufal qui va contrôler avec un Ronaldo Shop. Je vais la mettre pour Ntep. Ntep qui va prendre un peu le large. Il va faire quelques gestes techniques avec les passements de jambes. Le râteau, je vais la centrer pour Boufal. Et Boufal qui va mettre le but de la tête. Donc 2-0 à la 47e minute. Encore une action avec Ntep sur le côté. Il va faire un petit arc-en-ciel. Donc un match qu'on dominait vraiment. Hein. La petite fin de corps, le Ronaldo Shop. Les passements de jambes, la feinte. Vraiment, il a passé tout le terrain. Malheureusement, la frappe qui ne va pas rentrer. Là, une action avec Jallet qui va la mettre pour Valbona. Valbona, la fin de frappe. La frappe enchaînée après le stop and turn. Malheureusement, encore une fois, ça ne rentre pas. La Boufal, le petit sculpteur, on y va passer avec un double contact. La fin du coup du foulard. Je vais tout passer, malheureusement. Elle va passer au-dessus, cette frappe. Après, on a une occasion avec Ben Arfa, la fin de corps. La frappe et Beneglio qui arrête bien cette frappe. Et là, l'adversaire a, en toute fin de match, qui va décider de quitter. Donc, un deuxième rush kit. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais bon, en tout cas, on va tomber maintenant contre une Liga BBVA. Donc, avec de la vitesse, avec Fegouli, notamment en pointe. Vraiment une assez bonne équipe. En tout cas, j'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous plaît et à me proposer vos joueurs.
En tout cas, là, ce match, ça va être un match où on va être totalement dominé. Et il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'action. On n'a pas eu du tout d'action même, on va dire. Là, on va avoir une occasion avec Valbona, une occasion assez ridicule, même si avant, Boudbouz avait fait quelques jolis gestes techniques. Ensuite, on va se prendre deux buts de Feghouli enchaînés. Donc, on va vraiment se faire dominer. Donc, on va avoir ensuite une occasion avec Boufal, donc, qui sera inutile, mais bon, il est assez beau. Donc, au moins, on aura le mérite d'avoir marqué un but plutôt pas mal. Et là, on va encore se prendre deux autres buts. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.